Journaliste d'économie, Christine Kerdelan publie chez De Noël un ouvrage au fond assez rassurant malgré son titre, Le prix de l'incompétence. Elle y analyse dans le détail, en effet, un certain nombre d'erreurs industrielles ou de marketing qui ont le grand avantage de faire apparaître que dans ces domaines, comme dans d'autres, l'infaillibilité n'existe pas. Toute entreprise humaine est par définition imparfaite et la bêtise y tient sa place. Les exemples recensés touchent à tous les domaines, automobiles, banques, boissons alcoolisées ou informatiques. Christine Kerdelan a beau jeu de rappeler que parfois l'erreur est féconde. De la bêtise de Cambrai, due à une cuisson prolongée par inadvertance, à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qui pensait s'embarquer pour les Indes. Alors, allons-y et rappelons-nous par exemple ce contre-slogan imaginé en 1991 pour un vaporisateur, « Je ne vous ai pas comprise ». Arrêtons-nous un instant sur ce supermarché du voyage, inauguré en grande pompe, place de la Madeleine à Paris, et qui n'a jamais attiré personne. C'est que les mêmes campagnes ne produisent pas partout les mêmes effets. Vous vous souvenez de ce petit garçon les fesses à l'air qui déroulait derrière lui un rouleau de papier hygiénique, bide en Afrique, où l'on a incriminé le gaspillage. En matière automobile, la qualité de nos voitures, longtemps insuffisante, a pénalisé leurs exportations. Mais il semble qu'un progrès se dessine. Allons, l'erreur incite à l'optimisme.